Des textes de l'Antiquité décrivent déjà le symptôme le plus spectaculaire de l'hépatite, la jaunisse. On ne sait encore rien de cette jaunisse, si ce n'est que durant des siècles, elle fera partie du paquetage des armées en campagne qui vivent dans des conditions d'hygiène exécrables. Au milieu du 19e siècle, le Tchèque Karel Rokitansky décrit pour la première fois le virus hépatique. Peu de temps après, la guerre de sécession embrase les États-Unis. L'hépatite décime les troupes. En 4 ans, plus de 50 000 cas sont dénombrés. Les progrès arrivent au XXe siècle. Pendant la Première Guerre mondiale, on découvre que les matières fécales sont liées à la transmission de la maladie. Au milieu du siècle, la première ponction du foie permet d'observer les dégâts. En pleine Seconde Guerre mondiale, les médecins du Reich se servent de cobayes allemands pour prouver que les hépatites peuvent être d'origine virale. Au début des années 70, les virus de l'hépatite A et B sont formellement identifiés. Quelques années plus tard, les scientifiques s'aperçoivent qu'à la suite de transfusions de sang, certains patients sont infectés par une nouvelle hépatite, ni A ni B. Les scientifiques, sans grand effort d'originalité, baptisent le virus mystère non A, non B. En avril 1989, non A, non B est identifié. Il s'appelle désormais virus de l'hépatite C, ou VHC. On sait qu'il voyage dans le sang et peut donc se transmettre lors d'une transfusion. Vers la fin des années 90, les produits sanguins sont enfin mieux contrôlés. Mais le nombre de personnes infectées continue d'augmenter. Premier coupable, la réutilisation de seringues contaminées par les toxicomanes. Depuis les années 90, l'hépatite C se soigne avec une combinaison d'une protéine, l'interféron, et d'un antiviral, la ribavirine. Mais le taux de guérison n'excède pas les 50%, et les effets indésirables sont fréquents et handicapants. L'arrivée, fin 2013, d'une nouvelle génération de traitements, baptisée AAD pour antiviraux d'action directe, est une petite révolution. Mais cette révolution a un prix exorbitant. En juin 2014, la France lance une offensive avec 14 autres pays européens pour obtenir une baisse du coût du traitement auprès du laboratoire privé. La France obtient une petite ristourne de 8% environ.